alaikum, chers téléspectateurs. Comme chaque vendredi, le Mame Dekhté présente la seule émission Le Meilleur et le Pire. Alors, sans plus tarder, nous allons nous poursuivre avec nous poursuivre avec nous agents. Nous allons nous poursuivre. Salam alaikum, chers téléspectateurs. Nous allons nous poursuivre avec une émission Le Meilleur et le Pire. Semaine B, nous allons nous poursuivre avec nous poursuivre. Nous allons attirer notre attention à Benefé, garage ou taxi. Sur conducteur numéro 2, Ben Clandole 305. Sur conducteur numéro 3, Ben particulier le Peugeot 308. Sur conducteur numéro 4, Ben particulier le Mojibou Noirbi. Nous croyons le comportement italien. Donc, sur conducteur numéro 1, Bion ensemble au taxi le. Nous sommes sur la place de l'indépendance. Nous remarquons que nous avons un garage taxi. Donc, nous avons un agent avec nous. Fermez carte grise. Donc, tu crois que c'est le conducteur numéro 2, moi, 305 pour Herbing Indianol. Nous sommes top 305 pour Herbing. Nous avons un comportement. Nous avons un virage qui est un virage qui est signalé où nous avons. Il y a un croisement, la même chose, garde à droite, te signalé où. Garde à droite, te signalé où. Et garde un croisement, enfin, je vais signaler, marquer le temps d'arrêt. Fille signalé. Nous avons un peu de temps pour le conducteur numéro 3. 308 Binex, le canal. Nous avons un comportement qui est un talibé. Donc, nous avons côté face, deuxième direction boulevard du Général de Gaulle. C'est un bon conducteur, hein, les gars. Il faut y aller. Jusqu'à présent, Amogul l'aide de l'unico m'a reproché. Donc, l'équipement technique arrière, il faut stopper et puis il. Donc, Amogul l'aide de l'unico m'a topé. Donc, nous stand-by avec moi pour le conducteur numéro 4. Je suis un peu plus top. Je suis un comportement. Je passe dans le croisement du signal. Je suis allé à gauche sans signaler. Je suis allé au point B pour voir à gauche. Mais le signal est où? Donc, nous avons fait des lois de place de dépendance. Je vais faire mes catégories. Permis. Ça va? Mon permis. Carte grise. Ça va? Mon permis. Central Gate. Je suis venu à la maison. 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 Bon, nous avons remarqué à la place de l'indépendance un stationnement taxi. Jaune noir. Des fois, avec sa clando, des fois. On va transformer en garage. Alors que le gouverneur m'a autorisé que le taxi doit être en centre-ville. Et le garage taxi doit être un cahier valable. Donc, la place de l'indépendance du garage. Il doit être un garage. Mais on a remarqué que le taxi, tous les soirs, il y a des cœurs massards, des tengues,
pour dem ci banlieue alors que c'est interdit. Garage ou taxi bi gouverneur autorisé mu ngi cité wu après mairie Dakar bo len setlo juste avant station Total bi fofu le garage taxi di garé. Donc ku bëgg jël auto taxi jaune noir fofu nga wara dox pour mën fa jël taxi dem. Mais on remarque que souvent taxi dañuy ñëw fofu garé amna ay coxeur yi fay taxaw ñu fay yam ay clients. Donc bu ñëwé rek dañuy daw motax des fois dañ leen di bête ci leen fa fekk di leen japp. C'est la même chose aussi sur Lamine Gueye moy Sandaga. Donc les stationnements, les prises en charge de clients sur ces axes là sont formellement interdits. Donc ñu délu wa suñu conducteur numéro 2 ci aduna à gauche signalé wul mom ñong yo au bout de sa poursuite. Ça va boss, nga def patron croatel na le grand mayma serre na le nga def mo gol pièce yi mané amo visite technique amo assurance am sa permis ci dama japp wa lañ dem djeppal. Ça va nga def ay wa ñu dem djeppal da nga yegg ci kaw parking. Tenez l'auto. Ça va, bonjour. Ça va, vous allez bien? Santé, alhamdoulilah. Tenez. Anachabi. Ça va, ça marche. Vous allez bien? Alhamdoulilah. Vous avez oublié quoi? Marais quoi? Fourrière là. Il y a l'assurance. Il y a le permis. Ok. Donc immobilisé n'est pas, nous déloyons sur une conducteur numéro 3. Il y a un signal. Donc, ce que nous avons, si vous avez deux voies, une voie qui peut être occupée pour que vous sortez, vous signaler. Donc, respectez-le, signalez-le correctement. Donc, nous sommes au bout de sa poursuite, nous arrêtons de contrôler. Bonjour monsieur. Ça va, vous allez bien? Alhamdoulilah. On vous a, oui, on vous a suivi pour un bon bout de temps. Ah, pour quelle raison? Pour voir votre comportement sur la route. Vous faites une enquête de mariage ou quoi? Bon, c'est une émission sur l'insécurité routière. Oui. On est en train de voir les usagers, leur comportement. Ah, on cible des véhicules. On est dans la circulation, on cible quelques véhicules. Au bout de quelques minutes, s'il y a des infractions qu'il faut sanctionner, on sanctionne. Maintenant, s'il n'y a pas d'infraction aussi, voilà, c'est ça. On vous a suivi depuis l'ENAM, oui. Jusqu'ici. On n'a rien remarqué. Hein. Vous n'avez pas commis d'infraction. On a constaté que vous utilisez vos signaux normalement. Vous respectez les croisements. Donc, l'équipement technique de derrière est intact, donc on n'a rien à vous reprocher. Sinon, on vous félicite. Hein. Je peux voir votre permis, s'il vous plaît. La carte grise de l'assurance. La visite technique, elle est bonne. Voilà, c'est bon. Tout est intact. Hein? Bonsoir, monsieur. Nous vous avons suivi pendant un bon bout de temps et nous avons remarqué que vous n'avez commis aucune infraction. Vos papiers sont en règle. Nous vous offrons un jeu de triangle et un extincteur. Voilà, pour vous encourager à continuer votre conduite. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept et de ce genre d'émission? Alors, je trouve que c'est très bien. Mais il y a beaucoup de choses à améliorer parce que si on est les seuls à conduire normalement et que tout le monde conduit de manière imparfaite, c'est là où se trouve le problème. Je veux dire, la circulation à Dakar, c'est un ensemble. Là, on est en face d'un rond-point, vous allez voir des gens traverser. Au lieu de passer par les clous, ils vont traverser en passant par le terre-plein.
Ça, c'est un risque non seulement pour nous qui sommes conducteurs, mais un risque pour eux-mêmes et ça ralentit la circulation. Donc je pense qu'ils voudraient faire des émissions, montrer aux gens comment traverser, montrer aux gens comment déjà circuler sur une voie que je prends régulièrement, qui est l'autoroute à péage. Quand on ne conduit pas vite, on ne se met pas sur la voie rapide, on se met sur la voie de droite. Donc tout ça, il faudrait faire des émissions, il faudrait montrer aux gens chaque soir, chaque jour. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'on sort du Sénégal, quand on va en Occident, les gens conduisent très bien, ou les gens se comportent très bien. Donc je pense que c'est un phénomène qui est inhérent au Sénégalais lui-même. Il ne peut pas être discipliné chez lui. Il faudrait qu'on soit discipliné chez nous pour être discipliné ailleurs. Et si on veut que la génération future soit disciplinée, apprenons-nous nous aussi à être disciplinés. Essayons d'être tout simplement humains. Et être humain, c'est être poli, c'est être correct sur la circulation et partout. Dès l'instant où on est humain, on peut tout avoir. Nous vous remercions. Et c'est très gentil pour vos cadeaux. La loi sur le conducteur numéro 4. Donc, normalement, si vous avez le rond-point, il faut rendre garde à gauche. Parce que le début, il serre complètement à droite. Donc, précaution, il faut rendre pour aborder le croisement. Normalement, il faut. Puisque il faut continuer tout droit, il faut resserrer complètement à droite. Mais moi, il faut utiliser voir digue bi signaler lu ngui def ba paré mu rabattre à droite pour continuer tout droit. Donc déjà de fait na benen infraction. Mom tamit tourner au bout de sa poursuite. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Bien merci. Oui. Je peux voir votre permis? Vous n'avez pas votre permis? Hein? Je l'ai, mais je suis mon autopatron. C'est autopatron là? Wow. Les gars, vous avez un peu de Macron là. Macron là? Conseil. 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 Au Conseil de la République. Vous avez un autopatron sans permis? Badge de l'air. Non, badge du permis? Non, de l'air. C'est là que je suis mon conseil. Wow. Je garé l'automane du Mayor. Vous avez garé l'auto du Mayor? C'est Buntu Conseil. Buntu Conseil. Je suis autopatron. Wow. Gen dem jëlal ko ay doomam école sans permis. Sans permis. Est-ce que xam nga da ngay wacc auto bi? Actuellement da ngay wacc auto bi. Ah. Waaw waaw dem jëli permis. Parce que yone lolu la diglé? Lolu la yone diglé. Waaw. Dama dimbali rek. Tay li tax ñu arrêté la? Jëdo ba légui. Li ngay dawal. Un. Ñoo nga ci croisement. Boy dem à gauche, à droite. Da nga wara tafu à droite. Mais bi ñëw croisement c'est les deux voies de Seydou Nouroutal. Vous avez emprunté la voie du milieu. N'est-ce pas? J'avais l'intention de tourner jeune puis ça. Non, amul intention. Mané non, damay continuer. Mané amul intention. Déjà amul avant fouf, avant Seydou Nouroutal. Score liberté. Vous avez fait la même chose. Score liberté, vous avez fait la même chose. Vous venez à Seydou Nouroutal, les deux axes, vous refaites la même chose. Vous n'avez pas infraction. Et en fin de compte, vous venez ici, vous parvenez pas à nous présenter un permis de conduire. Là, là, nous un véhicule de l'administration. Un véhicule de l'administration. Vous conduisez sans permis. Parce que ce que je devrais faire, moi, même si je suis garé sur mon auto, je dois prendre le permis et le mettre dans ma poche. Pour en cas où je prends un autre permis. Ça c'est vrai. Maintenant, ce qu'on fait, c'est juste de prendre le permis. Je vais te dire. Non, tu vas garer l'auto. Je vais te dire. Non, il n'y a pas. Watchal va pare. Watchal va te l'auto. Je vais te dire. Je vais te dire. Voilà, je vais te dire. S'il vous plaît. Le chat. Voilà. Tu sais maintenant, où est-ce que tu es? Ce qu'il y a. Cas d'immobilisation là. C'est-à-dire xamouñu ndax auto bi dañ ko satch wala satchñu ko dara leruñu xam lolu dara leruñu rien ne nous dit non batch nga ma won batch waaw mais dara leruma ni instant yi auto bi satch nañ ko wala satchñu ko rien ne me le prouve sa batch rek nga ma won batch bi ku nekk mëna ko défar batch mom ku ne mëna ko défar batch fi même 40 même faux permis ya ngi am saganuma ay batch donc pour sécuriser d'abord. Moi, d'abord, nous garer l'auto. Cas d'immobilisation, là, pour que je me délise le permis. Parce qu'actuellement, tu dis que tu es bien. Nous, on fait monter d'autres aussi.
nous sommes responsables des engagements. C'est un cas d'immobilisation. Nous devons prévoir ce cas. Ce n'est pas un défaut de permis. La non-présentation, c'est un cas d'immobilisation. C'est bon, il n'y a pas de problème. Ok. Chers téléspectateurs, semaine bi amna ñu meilleur. Moi, Peugeot 308 bi, nous félicitons ko, encourageons ko pour son comportement sur la route. Si le pire conducteur nak moy Clando bi ak 7 infractions immobilisé nañ ko police de Paul. Dinañ jox rendez-vous semaine prochaine à la même heure. Gis ngeen ko chers téléspectateurs, c'est une émission le meilleur et le pire amul xajak sen. Loi bi pour ñëpp la. Ba taxna gis ngeen ko chauffeur ou institution bi dañ ko arrêter parce que andul ak permis de conduire. Ñu ci profiter chers téléspectateurs di féliciter suñu meilleur conducteur de la semaine ki nga xamni dawalam jar na yoon en même temps andna ak ay papier ñu mat. On espère que chauffeur yi nga xamni ñi ngi sétane émission bi nak dinañ roy ci mom pour éviter accident de la route. Suñu pourquoi tay bi nak da fay dem ci passage abusif nga xamni mo am ci autoroute de l'avenir manam autoroute à péage. Alors dama lañuy bayé nga sétal suñu question bi té ñu délu ci wat. Notre question de la semaine s'intéresse au péage appliqué sur l'autoroute de l'avenir. Une amende forfaitaire est payée par les usagers des voies rapides sans carte ou avec un crédit insuffisant. Pourquoi l'amende n'est-elle pas proportionnelle au tarif du péage? Sur Pékin, cette amende est comprise entre 500 et 1600% du tarif appliqué. Sur Toglou, entre 160% et 500%. Sur Rufisk, entre 700 et 2500%. Ne trouvez-vous pas que cette amende est abusive? Est-ce que l'amende venue faire l'autoroute APHB est abusive ou pas? Alors, chers téléspectateurs, vous pouvez nous envoyer ces commentaires sur notre page Facebook Les Transact Productions. Je vais profiter aussi pour remercier mon partenaire officiel pour la coiffure, mon ami frère. On a avec tes chers téléspectateurs présenté l'ancienne émission Le Meilleur et le Pire. Alors pour vidéo témoin ou le photo, vous savez, vous avez avec mon petit talibi, vous pouvez envoyer sur notre page Facebook Net Transact Production. Alors en espérant que vous avez fait attention à ce rétroviseur parce que nous sommes là, vous allez nous rendez-vous vendredi prochain à la même heure sur la 2STV. Au revoir.